sur une montagne enneigée avec des conditions météorologiques extrêmes dues aux chutes de neige. Une neuvième princesse de la dynastie Xuan Yuan, nommée Jixian, a été vue en mauvais état, même lorsque Jixian courait. Soudain, elle a commencé à perdre l'équilibre, ce qui a inquiété ses subordonnés. Mais Jixian a dit « Ce n'est pas grave, je peux le supporter ». Jixian a demandé à ses subordonnés de ne pas trop s'inquiéter pour elle. Et soudain, un kunai se dirigea vers elle. Bai Lu se serra immédiatement contre Jixian et la protégea. Cependant, Lu Yao a paré le kunai avec son épée. Jixian est également troublé par le fait que l'on ait découvert si rapidement où elle se trouvait. Les 12 rangers de l'ombre qui la poursuivaient semblaient eux aussi surpris de la voir encore en vie. Cependant, on peut voir que Jixian a déjà subi des dommages aux méridiens, et qu'ils sont très graves. Elle a même été touchée par une sorte de poison. Cependant, elle a réussi à survivre et à s'échapper pendant 3 jours. Les 12 gardes de l'ombre l'ont vraiment félicité pour cela, mais tout était fini de toute façon. De l'autre côté, il y avait un homme appelé Chen Ye. Il traversait le tunnel temporel avec son ange Xiao Shui. Xiao Shui était comme un système. Et puis, comme pour le tunnel spatio-temporel, il les a conduits à la montagne enneigée dans le monde impérial humain. Chen Ye est parfaitement à l'opposé d'elle. Chen Ye lui tapota immédiatement la tête et demanda « Pourquoi n'est-elle pas simplement entrée dans son corps, s'il ne pouvait vraiment pas supporter le tunnel spatio-temporel ?» Mais il n'osa pas répondre à Chen Ye. Xiao Shui entra alors immédiatement dans son corps. Et puis, il s'est avéré que c'était quelqu'un du futur. 10 000 ans dans le futur. La princesse Jixian, qui avait une place dans les cieux et dans le monde, deviendrait sa disciple. C'est pourquoi il est venu dans le monde des humains, bien sûr, pour la sauver. Chen Ye demanda alors à Xiao Shui où se trouvait Jixian. Cependant, Xiao Shui a seulement répondu qu'ils se rencontreraient peut-être bientôt. Chen Ye expliqua également que c'était dommage. C'était la version noire, et elle était encore au niveau le plus bas. De nombreuses fonctions n'étaient pas encore débloquées, et il ne pouvait pas trouver l'emplacement avec précision. Mais il était sûr s'il devait être dans la montagne de neige, et il n'a pas dit longtemps. Après, Chen Ye ressentit également quelque chose. Il sentit une frustration d'énergie spirituelle, même si elle était très faible et curieuse. Il la vérifia immédiatement. De l'autre côté, il y avait Jixian qui avait été coincé par les 12 gardes de l'ombre. Ses 2 subordonnés parvinrent à se battre, mais cela ne semblait pas devoir durer longtemps. Et ils étaient déjà tous deux gravement blessés. Il leur a alors demandé de la quitter immédiatement, car elle ne voulait pas qu'il meure comme ça. Mais il est sûr qu'elle ne se sentira pas seule, car il y a 2 innés loyaux qui seront enterrés à côté de vous. Faites-le. Tuez la 9e princesse en donnant un signal aux 12 gardes de l'ombre. Et il attaque immédiatement. Et alors le disciple de Jixian prit lui aussi un air résigné, et en même temps. Soudain, une lumière bleue est apparue au-dessus du ciel et a surpris tout le monde. Ensuite, on a vu qu'il descendait de la lumière à grande vitesse. Il a finalement généré une très forte onde de choc en atterrissant, et tout le monde a utilisé ses mains par réflexe pour se mettre à l'abri. Cependant, alors que les vagues commençaient à se dissiper, une personne apparut. Ce n'était autre que Chen Ye qui reconnut immédiatement les traces de Jixian d'un seul coup d'œil. Et puis, pendant que les gardes de l'ombre s'interrogeaient confusément « Qui était-il ?», les 12 gardes mercenaires menacèrent Chen Ye de partir immédiatement. Et en réponse, Chen Ye lui dit simplement de se taire. Puis, avec un regard froid, Xiao Shui lui rappela que si le futur pouvoir n'était pas emporté, Chen Ye, qui était déjà au courant, lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Il dit cela en ramassant un petit caillou, tandis que les 12 gardes de l'ombre commencent à l'attaquer. Chen Ye saisit alors la pierre et y envoya des éclairs. Cependant, à ce moment, il la lança. Comme s'il lançait un petit caillou et qu'un coup très fort était complètement inattendu. Et il anéantit instantanément tous les gardes de l'ombre sans laisser de traces. Et puis, même s'il a laissé une très grande fissure sur le sol, ceux qui l'ont vu n'ont pas manqué de s'en apercevoir. Jixian et ses 2 là n'étaient que très choqués. Et avant que finalement Jixian ne s'évanouisse, n'ayant déjà pas pu supporter toutes les blessures en elle, les 2 qui se trouvaient sous elle l'inquiétaient visiblement beaucoup. Chen Ye s'approcha alors immédiatement, et Lu Yao le remercia immédiatement, puis elle lui demanda de quelle secte il était. Mais Chen Ye l'ignora, son regard était uniquement fixé sur Jixian. Et il demanda à Xiao Shui, « Est-ce vraiment elle ?» Elle confirma alors qu'il s'agissait bien de Jixian. Et sans plus attendre, Chen Ye s'empara immédiatement de Jixian, et Chen Ye s'en empara par la force. Cependant, Bai Lu ne pouvait pas bouger en réponse. Lu Yao lui rappelle alors que si Jixian a été gravement empoisonné, mais il a immédiatement disparu sans donner de réponse, les ignorant complètement. Finalement, tous 2 n'ont rien pu faire et se sont agenouillés. Effrayés, ils se demandaient qui était vraiment cette personne.
Comment pouvait-il avoir des pouvoirs aussi déraisonnables? Et puis, ils ont finalement renoncé à y réfléchir et ont décidé d'annoncer immédiatement au roi que Jixian avait été enlevé par un mystérieux prêtre. Puis, dans une ville appelée Zhengyan sous la dynastie des Xuan Yuan, qui est le territoire d'une auberge, Jixian est toujours inconsciente. Et maintenant, elle est traitée dans une eau avec des étoiles filantes, Leilan Flower. L'herbe et les fleurs de Feng Ming Gunshan et d'autres qui étillent pour la plupart des herbes rares. Juste en dessous, il y avait une formation en cercle qui créait des flammes, comme si Chen Ye était en train de faire de la soupe humaine. C'est ce qu'a pensé Xiao Shui Yor, bien qu'elle s'en soit rendue compte. Si son maître se contentait de soigner ses blessures, Chen Ye pourrait même améliorer son expertise de Jixian, parce que son travail d'étudiant est trop mauvais. Il est encore adolescent. Est-ce que c'est normal d'avoir beaucoup de talent et de trésors ? L'appela Chen Ye qui répondit immédiatement. J'ai ensuite posé des questions sur le système de loterie, parce que je voulais trouver quelque chose d'utile pour Jixian. Chen Ye sortit immédiatement une loterie remplie et expliqua qu'il n'avait qu'à appuyer sur le bouton du milieu. Même dans ce cas, il faut d'abord vérifier le contenu de la récompense. Mais après cela, il a joué à la loterie. Chen Ye a également applaudi pour obtenir l'or, mais il s'est avéré qu'elle s'arrêtait au violet. Xiao a alors immédiatement pris le prix dans l'écran, curieux de savoir ce que le maître avait reçu. Elle saisit alors une boule violette de la taille d'un corps beaucoup plus grand que le sien. Cependant, au moment même où une main l'a attaquée, elle a pénétré dans son système. Elle a également été prise de panique et a immédiatement déclenché l'alerte du système. Après avoir été attaquée par une puissance étrangère, la main sort une boule d'or. Et il découvrit que cette main n'était autre que celle de Chen Ye. Il fut choqué d'apprendre cela. Elle a ensuite immédiatement réprimandé son maître parce que ses actions violaient les règles et risquaient de détruire le système de loterie. En réponse à cette question, Chen Ye a également demandé s'il se trompait et si la solution était de pleurer. Parce que si cela continue ainsi, le système de loterie sera détruit et ne pourra plus être utilisé. D'accord, je m'en souviendrai d'ailleurs. Je me lève immédiatement et je vais préparer des vêtements pour Jixian. Jixian est très surprise car elle se retrouve soudain dans la soupe bouillante. Elle se souvenait seulement qu'elle avait été attaquée par 12 gardes de l'ombre, jusqu'à ce qu'un homme mystérieux apparaisse. Elle pensa qu'elle était peut-être déjà dans le palais. Le poison dans son corps avait disparu plus que cela. Ses méridiens s'étaient également rétablis. Il rêvassait en se demandant si cela pouvait arriver. Et Chen Ye l'appela alors, très surpris. Jixian s'est alors immédiatement levé. Mais elle s'est rapidement précipitée dans le ragoût en réalisant que son corps était nu. « Ne soyez pas surpris, je suis votre sauveur. » Et tes vêtements sont aussi sur l'étagère. Mettez-les et suivez-moi après les avoir portés. Puis Jixian l'a remercié. Mais comment se fait-il que nous ne le sachions même pas? Et je suis beaucoup de gens inutiles. Avec les méridiens endommagés, il a répondu. J'ai réparé vos méridiens. Vous n'êtes donc plus une personne inutile. Jixian a répondu. Tu devrais connaître mon identité, n'est-ce pas? L'empereur de la dynastie du Cygne a 11 héritiers, dont 8 sont le premier prince et le 9e la princesse. Depuis son enfance, il s'est exercé avec acharnement et a aimé l'empereur. Alors que voulez-vous? Si vous voulez m'utiliser pour négocier avec la dynastie, c'est parce que la famille royale a besoin de gens inutiles. Il a dit que ton talent est toujours là et que ta force peut être reconstruite. Tu ne veux pas te venger? Répondit Dongsun en consultant un écran qui s'avéra contenir une mission d'admission, la condition de réussite étant de faire prosterner Jixian. Avec une récompense de 1000 points en réponse aux paroles de Chen Ye. Jixian a alors fondu en larmes. Elle voulait vraiment se venger. Mais elle sentait qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle était faible à l'époque où je suis devenu ton professeur. Il dégageait également une terrible aura. Après cela, Jixian a été très surpris, l'a vu et a naturellement fondu de peur. L'aura qui se dégageait était bien plus forte que tout ce qu'elle avait pu voir, même s'il s'agissait de son père et des aînés royaux. Peu après, Chen Ye fut immédiatement réprimandé pour l'avoir fait de force, enfreignant ainsi les règles. Chen Ye avala sa respiration lorsqu'il s'en rendit compte. Puis il se leva rapidement de son siège. « Et avant de te sauver sur la montagne de neige, j'ai neutralisé le poison, nettoyé la moelle, réformé les méridiens. Je suis prêt à faire tout cela pour que tu puisses me vénérer et te venger de tes propres efforts. Si j'avais eu l'intention de te faire du mal dès le départ, je ne t'aurais pas plaqué au sol, » dit Jixian en essayant de le convaincre. Mais j'ai entendu dire que si les mauvais cultivateurs utilisent le corps et l'âme de leurs disciples pour devenir immortels, vous en avez après moi parce que je suis de sang royal, n'est-ce pas? Jixian répondit. Vous êtes très doué, même si vous êtes la 9e princesse et que vous avez une apparence attrayante. Cependant, à mes yeux,
il est inutile que j'aie l'intention de vous faire du mal. Pourquoi est-ce lui qui vous a aidé et qui a fait de vous une disciple, n'est-ce pas? Alors pourquoi cela ne me sert-il à rien? La raison est simple. Vous, je n'ai pas besoin de faire attention aux talents de chaque élève, peu importe leur force. S'il n'y a pas de destin, ne franchissez jamais ma porte. Je n'ai jamais accepté de disciple dans ma vie. Je prendrai bien soin de vous et j'espère qu'à l'avenir vous me vénérerez comme votre professeur. Je ne vous forcerai pas. Je te donne seulement le choix d'apprendre la culture avec moi. Vous pouvez suivre votre cœur de manière simple et libre. Vous pouvez revenir et continuer à être une 9e princesse. Ou devenir mon disciple pour récupérer ce que tu as perdu. Jixian décida finalement de devenir l'apprenti de Chen Ye, et ce grâce à sa forte volonté. Après cela, Chen Ye changea en un instant une terre vide en un palais. Le palais Tao qui était si majestueux et entouré de 100 fois plus d'énergie spirituelle qu'une montagne spirituelle. Quoi qu'il en soit, 3 jours passèrent rapidement après cela, pendant lesquels elle médita pour récupérer son pouvoir spirituel qui avait été perdu au fil des ans à cause de la corruption. Puis elle a immédiatement annoncé la bonne nouvelle à son professeur, et Chen Ye l'a également félicité pour son excellent travail. Jixian le remercia alors, car grâce à sa bénédiction, elle parvint à cultiver jusqu'au royaume des mortels. Très vite, elle s'est sentie très confiante de pouvoir franchir le royaume de la mer pourpre avec l'aide de son professeur. Et Chen Ye a aussi frappé sa tête. « De quoi es-tu fier ? Maître, n'avez-vous pas dit que vous n'aviez pas de talent et que le royaume de la mer d'esprit pourpre ne pouvait être atteint que par un seul disciple martial parmi des milliers d'autres disciples ? Et avant cela, j'étais aussi dans le royaume de la mer bleue, alors n'est-ce pas suffisant ? La réponse bleue n'est pas digne de vous. Même si je ne vois pas de talent, cela ne veut pas dire que je ne suis pas sévère avec vous. Tout le monde n'a pas cette chance, c'est pourquoi il faut chercher plus loin. Et au moins, atteindre la mer d'or des esprits. Le royaume de la mer des esprits est divisé en 5 couleurs. Pendant ce temps, Chen Ye eut sa nouvelle mission, qui lui demandait d'aider Jixian à obtenir l'héritage de l'empereur. La récompense est de 1000 points. Peut-être qu'un maître échouera, mais c'est trop. La mer d'esprit d'or, signe égal, est le royaume que j'ai, ce que vous voulez atteindre maintenant. Vous êtes déjà arrivé au royaume des mortels, alors va t'entraîner, dit Jixian, puis demande quel genre d'entraînement. Chen Ye lui demanda alors de retourner immédiatement auprès de l'empereur. Ils se sont immédiatement précipités, après que Jixian ait mis un masque pour dissimuler son identité. Après une longue marche, ils se sont reposés dans un restaurant où se réunissaient de nombreuses personnes. Comme ils voulaient aussi se disputer le trésor de l'empereur, Jixian commença à présenter ses grands personnages à son maître. Parmi eux se trouvait une jeune fille nommée Li Yanhan, originaire de la Terre Sainte du Jeune Long, qui avait atteint le sommet du cloutreau violet à l'âge de 18 ans. Elle possédait une force égale à celle du pic de la mer. Chen Ye a immédiatement rejeté la commande parce qu'elle ne répondait pas aux exigences. Jixian avait également l'air sombre parce que les exigences du professeur étaient trop élevées. Elle les enviait aussi parce qu'ils étaient entrés dans le royaume de la mer des esprits. Chen Ye lui pinça alors la joue en lui demandant si elle était en colère, parce qu'elle n'avait pas été autorisée à atteindre le royaume de la mer des esprits. En même temps, les gens ont commencé à s'agiter parce que 2 personnes importantes se disputaient. Il s'agit du 3e frère de Jixian, Jibo, et du chef de Bai Yuki, Mingyu. Cependant, il est en colère, car il a entendu dire que la secte Bai Yuki avait envoyé quelqu'un à la poursuite de sa sœur. Mais cette semaine, Jibo nie avoir porté un masque semblable à celui des 12 Rangers de l'ombre qui ont poursuivi Jixian auparavant. Cependant, Jibo ne semble pas avoir de preuves solides, donc c'est juste un combat seul. De l'autre côté, Jixian commença à perdre patience. Mais Chen Ye essaya immédiatement de la calmer. Il voulait d'abord observer la situation, car il était possible que ce soit son frère aîné qui lui ait délibérément donné du poison. Même si en ce moment elle semble le défendre, il se rend compte qu'il ne peut pas rester silencieux. Après avoir vu les vêtements qui avaient endommagé ses méridiens, Chen Ye lui tapota immédiatement la tête et lui assura qu'une telle chose ne se reproduirait plus à l'avenir. « Personne au ciel et dans le monde ne peut toucher un seul cheveu de ma peau, et lui seul peut brutaliser mes élèves. » Elle sourit parce qu'elle croit en lui, mais elle redevint rapidement maussade lorsqu'elle réalisa quelque chose. Il demanda ce que signifiait le bluff, et Chen Ye demanda en fait s'il y avait un problème. Il est à nouveau déprimé en entendant la réponse de son professeur, tandis que Xiao Shui lui dit s'il y a un signal de danger. Peu de temps après, une belle fille apparut, assise à côté de Chen Ye. Ceux de Jixian qui l'ont reconnue ont eu l'air un peu inquiets. Jixian, lui, a demandé si elle était la fille du roi démon du Lotus Rouge, nommé Lu Hongshuang.
Elle sourit et répondit que c'était vrai. « La méchante femme, que voulez-vous faire à mon maître ?» Jixian s'est levé avec colère, petite fille. « Qu'est-ce que tu crois que je vais faire à ton maître ?» Le Hongshuang qui a ensuite pris Chen Ye dans ses bras en essayant de le séduire. Une aura d'enchantement rayonnait alors autour d'elle, rendant les gens autour d'elle tentés. Certains saignent même du nez, rien qu'en la sentant, parce que c'était très fort. De plus, avec la mystérieuse fumée d'encens et toute sa préparation, elle était sûre de réussir à séduire Chen Ye. Cependant, pendant ce temps, Jixian était très ennuyé, et il fermait toujours les yeux. Il semblait avoir réalisé le charme de la fille, et juste au moment où il ouvrit les yeux, Chen Ye lui dit aussi de partir immédiatement. Bien sûr, cela ne marcherait pas sur lui. Elle a été très surprise par ce refus. Ses dévots se sont mis en colère, mais ils ne pouvaient pas accepter que sa princesse soit rejetée. Les gens commencèrent à s'interroger sur la façon dont il allait s'y prendre avec le fameux démon au lotus rouge, ce qui ne manqua pas de les troubler. Bien sûr, il est également curieux de connaître la force de Chen Ye, car sa culture ne peut être vue. Et comme si quelque chose se mettait en travers de son chemin. De l'autre côté, Jixian commençait à perdre patience. Elle voulait tous les frapper immédiatement, mais Chen Ye l'arrêta et lui dit qu'il n'était pas nécessaire de s'énerver. En réponse à une chose aussi insignifiante, il commença à écrire un sort sur la table et le termina rapidement. Le sort s'est alors allumé lorsqu'il a tapé du doigt. L'instant d'après, le ciel s'assombrit et se couvre de nuages d'orage. Toute la population a commencé à paniquer. En raison de ce phénomène soudain, une commotion s'est produite partout à cause des grandes vibrations qui se sont produites. Enfin, un éclair très puissant s'est abattu sur le restaurant et l'a détruit en un instant. Et laissa un petit cercle. L'endroit où Chen Ye était assis était un tonnerre divin. Tout le monde était très surpris que Chen Ye ait pu le lancer si facilement. Je n'ai même pas vu le sort. Comment un tonnerre aussi puissant pouvait-il être créé par un corps mortel? Tout le monde n'en revenait pas. Ce qui vient de se passer et ce qu'ils ont vu. Bien sûr, elle ressentait la même chose qu'eux. Tout est répondu à cela, Chen Ye. Et puis, je lui ai dit en toute décontraction, si c'était juste un coup de tonnerre tiré au hasard, si tu veux l'apprendre, je pourrais te l'enseigner à l'avenir. Xiao Shui a alors rappelé à l'allumeuse qu'il était allé trop loin. Chen Ye lui a demandé de ne pas s'inquiéter, parce que la vitesse de la foudre est telle qu'elle peut être facilement esquivée. Xiao Shui lui dit alors de regarder l'expression de chacun d'entre eux, et il n'y avait qu'eux. Ce n'était pas grave. Chen Ye dit alors à Jixian de faire attention aux alentours, et lui dit ce qu'elle a vu. Jixian lève alors le visage, et ce qu'elle voit n'est autre que la peur. Puis anxieux et paniqué. Ils étaient tous effrayés et inquiets de la chute du tonnerre divin. Ses paroles étaient vraies. Se souvenir de leur regard. Aujourd'hui, il était meilleur qu'eux, alors ils avaient peur de moi. Il doit avoir une place au paradis un jour, c'est pourquoi tu dois t'y habituer. Faites-en une force pour votre entraînement et allez de l'avant, vous comprenez? Xiao Shi proteste parce que sa façon d'enseigner est si scandaleuse. Cependant, même s'il n'avait que 16 ans, il lui demanda seulement si cela lui posait un problème. Comment Xiao Shui pouvait-il être troublé? Tout ce que disait le maître était toujours juste. Le seigneur de la ville de Zhengjiang arriva alors. Il n'a pas accepté que sa ville soit détruite. Il balbutia bravement puis dit que c'était lui qui avait fait le coup. Tandis que Jixian se cachait derrière son dos par peur, il dit immédiatement à son maître que le vieil homme s'appelait Huo Shaoyang. Il avait été le seigneur de la ville de Zhengjiang pendant de nombreuses années et la rumeur disait qu'il était devenu un demi-dieu. Que pouvait faire un demi-dieu? Elle s'inquiétait pour les gens de ce monde. Personne ne pouvait passer à travers le tonnerre divin de la maîtrise assise. Et bien qu'il ne le sache pas, la relique de l'empereur est sur le point d'être ouverte. Il ne voulait pas perdre plus de temps pour eux que de poser deux doigts sur sa tête, et une aura rayonnait de son corps. Mais après cela, Huo Shaoyang activa ses yeux de vision pour voir le niveau de culture. Mais d'une manière ou d'une autre, il a été envoyé dans un endroit étrange. Ancien ou enfin réalisé si ce lieu n'est ni un espace conscient, ni un espace spirituel. Mais il s'agit de l'aura de Chen Ye, plus précisément de toute la lumière en forme de rein. C'est une partie de son aura. Cela montre clairement à quel point il est fort, et en un seul coup de pied. Le vieil homme est renvoyé dans le monde extérieur. Il sursauta, très surpris, salua immédiatement et s'agenouilla, suppliant Chen Ye de lui pardonner, et commença à l'appeler « Seigneur ». Chen Ye lui demanda simplement de respecter davantage la culture. Alors qu'elle ne savait rien non plus, elle est devenue confuse, parce que c'était si soudain. De son point de vue à elle, en revanche, Mingyu savait ce qui s'était passé et était vraiment choqué, car cela signifiait que la culture de Chen Ye était plus élevée que la sienne, et elle commença à paniquer. Et parce qu'il n'avait jamais entendu parler du nom de Chen Ye, il réalisa immédiatement qu'il était très dangereux.
et il avait donc l'intention d'enquêter. Il ne voulait tuer personne. De plus, lorsqu'il est arrivé, Jixian s'est demandé ce que cela signifiait. Et comme s'il répondait à sa question, il s'est mis à trembler, comme sous l'effet d'un tremblement de terre. Ce n'était rien d'autre que le signe de l'apparition d'une relique de l'empereur. En effet, un temple, ou d'anciennes ruines. Puis est apparu en hauteur, sous la terre. Tout le monde s'est immédiatement précipité à l'intérieur, car de nombreux trésors y apparaissaient, une fois tous les 50 ans. Bien sûr, la cible principale était l'héritage de l'empereur. Mais pour les gens ordinaires, les trésors à l'intérieur étaient moins déjà très élevés. Précieux, car jusqu'à présent, personne n'a réussi à hériter de l'héritage de l'empereur, même dans cette foule. Chen Ye et Jixian apparurent alors pour attirer l'attention de tous. Ils posèrent des questions. Chen Ye voulait-il également s'emparer du trésor de l'empereur et commençait naturellement à s'inquiéter? Réalisant qu'il était hors de question de rivaliser avec lui, le vieil homme Huo dit respectueusement à Chen Ye que les seules personnes pouvant entrer dans les ruines de l'empereur étaient des personnes cultivant le royaume de l'esprit. Je n'avais pas l'intention d'y participer, mais c'est mon apprenti qui l'a fait. Lorsqu'il est entré, le vieil homme lui a répondu avec inquiétude, puis lui a rappelé que la relique retiendrait immédiatement quelqu'un avec un pouvoir de culture plus élevé. À partir du seul royaume, il pensa que Jixian avait une haute culture. Chen Ye lui demanda également de ne pas s'inquiéter, parce que Jixian était encore dans le royaume des mortels. En entendant cela, tout le monde a été choqué, car après tout, il s'agissait du niveau de culture le plus bas. Les gens se sont mis à rire avec dédain de Jixian. Et si elle ne pouvait pas survivre, et si elle osait vraiment entrer à l'intérieur? Jixian s'est finalement mise à pleurer, car son professeur était très cruel avec elle. Chen Ye lui pinça alors la joue, en lui disant que c'était en fait une bonne chose pour elle. Tonnerre avait déjà attiré l'attention de tout le monde, alors il valait mieux le dire à tout le monde maintenant pour ne pas se faire remarquer. Et parce qu'après tout, l'héritage de l'empereur est votre première mission. Je veux que vous entriez dans les ruines et que vous obteniez l'héritage de l'empereur, répondit le maître par l'affirmative, comme d'habitude. Après avoir répondu, Jixian a recommencé à demander ce que le professeur voulait dire. « Parce que je le ferai. » Jusqu'à présent, personne n'a réussi à découvrir l'héritage de l'empereur, protesta-t-elle, car sa culture était encore dans le royaume des mortels. Mais Chen Ye ne lui avait demandé de se battre que parce qu'elle était son disciple de prédilection. Jixian commença à s'inquiéter, car même si son maître lui faisait confiance, elle n'arrivait pas à trouver sa propre confiance. De l'autre côté, Huo Shaoyang prononça enfin le discours d'ouverture sur les ruines de l'empereur. Il a demandé à tout le monde de ne pas sous-estimer les obstacles à l'intérieur. Tout le monde a applaudi avec enthousiasme. Ils sont ensuite entrés rapidement à l'intérieur. Et tandis que Jixian, qui avait encore des doutes, demanda à nouveau à Chen Ye si elle devait vraiment entrer, c'est juste l'héritage de l'empereur. Il suffit de partir et de revenir rapidement. Chen Ye répondit peu après. Un groupe de personnes à l'aura colorée arriva alors. Ils étaient les anciens de la dynastie Xuan Yuan. Le geyser aux cheveux gris s'appelait Luo Zongfang, tandis que la femme à l'aura verte s'appelait Yu Jiang. Le vieil homme les a salués et leur a répondu que seuls les étudiants Yu Jiang et Luo Zongfang venaient d'entrer. Les anciens lui rendirent alors leur salutation, et le vieil homme lui demanda « En ce qui concerne l'éclair céleste qui est apparu plus tôt, car c'était la véritable raison de sa venue, le vieil homme lui jeta alors un coup d'œil. Celui qui était derrière lui ne put qu'être effrayé. Finalement, il a inventé une histoire et a dit « Si c'est le diable du lotus qui l'a fait. » Cependant, le rouge qu'il avait chassé, même les anciens le crurent immédiatement. C'était peut-être à cause de la mauvaise réputation de la secte des démons. Les sectes démoniaques elles-mêmes s'étaient enfuies plus tôt, parce qu'elles avaient été effrayées après avoir vu la foudre céleste de Chen Ye. Et d'un autre côté, il demanda à Chen Ye s'il était vraiment d'accord pour le laisser partir seul. Il soupira et expliqua « Si c'est le cas, que doit-il faire ? Parce que les héritages sont généralement confessionnels ou choisis par l'empereur spirituel laissé derrière lui. » Xiao Shui ouvrit alors la cyclopédie de Xiao Shui pour lire l'histoire et découvrit que l'empereur Jinovan était au sommet du royaume des esprits de la mer à l'âge de 25 ans et que, pour une raison quelconque, il avait été forcé d'entrer seul dans les ruines. En revanche, Jixian n'avait que 16 ans et a été forcé d'entrer seul dans les ruines. « La différence n'est-elle pas trop grande ?» répondit Xiao Shui. Chen Ye lui demanda également de ne pas s'inquiéter, car le livre de Tao qu'il avait donné à Jixian était très spécial. Et le fait de pouvoir lui faire avoir la couche illimitée, même si elle était encore dans le royaume mortel, et qu'elle était actuellement au 16e niveau, signifiait que Jixian aurait dû entrer dans le royaume sous-marin il y a longtemps.
Mais après cela, il calcule normalement parce que son niveau a depuis longtemps dépassé la limite maximale. Le vrai royaume des mortels n'a que 10 niveaux faciles, ce qui fait que Jixian est déjà très forte. Même si elle est encore dans le royaume des mortels, Jixian ne l'a pas encore réalisé. Après avoir expliqué cela à Xiao Shui, il lui demanda de compléter rapidement la récompense de la tâche précédente, et il lui envoya 500 points en guise de récompense pour la tâche accomplie. Puis elle lui a donné une chance de rejouer à la loterie. Puis elle lui a proposé de jouer à la loterie maintenant, et lui a rappelé de ne pas recommencer à tricher, d'accord ? Allez, répondit Chen Ye, après. Et il s'arrêta à la boule d'or, cette fois vraiment chanceuse sans tricherie. Chen Ye s'enthousiasma et entra immédiatement dans le système pour récupérer le prix, espérant que cette fois-ci, il obtiendrait un artefact sacré. Dès qu'il est entré, il est soudainement ressorti. En pleurant, une mauvaise chose s'est produite. L'instant d'après, une aura est sortie du système de loterie. Et avant cela, il forma progressivement une figure dans le monde qui était celle d'un énorme phénix. Tout le monde a été très surpris de voir cela, et les ritualistes de la ville se sont interrogés. Est-il possible que les disciples aient violé le gantelet dans les ruines ? Huo Shaoyang a immédiatement nié, car il avait déjà averti les disciples deux fois. Et plus important encore, l'incident comme celui-ci est également la première fois. Pendant ce temps, l'air autour du phénix commençait à augmenter rapidement. Après cela, les flammes bleues semblaient les pouvoir dévorer n'importe quoi. Et soudain, le phénix hurla, incapable d'accepter la fin de son hibernation, perturbé. Chen Ye lui a alors demandé s'il savait quelque chose, et il a détourné le visage, répondant qu'il ne savait rien. Il s'est dirigé vers le système. « Mais il était déjà brûlé !» dit-il automatiquement. Puis il vérifia l'identité, et il découvrit qu'il s'agissait d'un artefact solitaire. Le dieu court, nommé Feu des 10 000 royaumes, c'est le deuxième rang des 36 feux, qui a la capacité de purifier l'âme et d'effacer la mémoire du dieu court. Cependant, mais malheureusement, il ne s'agissait que de fragments, et d'ailleurs les personnes paniquées lui ont alors demandé d'y mettre fin immédiatement. Car sinon, un gros problème ne tarderait pas à se produire. « Laissez-moi voir ce ciel chaotique, le monde se flétrira bientôt. » Et il commença à se déchaîner. Il lança des flammes sur les gens qui l'entouraient, et les fit tous courir de peur, car il faisait extrêmement chaud. L'aîné, Huo Xiaoyang, utilisa alors un artefact de protection pour bloquer les attaques aléatoires qui fusèrent vers lui. Mais il fit immédiatement fondre Huo Xiaoyang Huo. Ce dernier, se rendant compte qu'il ne s'agissait pas d'un feu ordinaire, lui a immédiatement demandé de partir, puis a également invité les chefs ouvriers à terminer Sangponik. Il ressentait la même détermination à protéger les jeunes dans les vieilles ruines et à accepter. Mais l'aîné des Sun Kang avait des doutes, car ce phénix a presque la même force que le royaume céleste. Il sentait qu'il n'aurait aucune chance contre lui, mais nous devons quand même essayer et ne pas le laisser détruire la tombe de Kai, où le vieil homme, Huo, donna l'ordre d'attaquer immédiatement. Même le président a immédiatement activé une pertoformation qui a créé un triangle dimensionnel. Il a entaillé le saponnaire d'un coup de couteau. Huo Shaoyang dégaina alors immédiatement son épée de feu. Les anciens qui avaient activé la méthode secrète avec l'aura verte qui avait transformé l'épée en épée de cristal étaient de nombreux. Les autres aînés commencèrent alors à attaquer avec leurs attaques caractéristiques respectives. Mais le sang panique pouvait annihiler une attaque de leur part. Juste en battant des ailes, au même moment, les flammes bleues de son corps commencèrent, obligeant les anciens à se mettre à l'abri, avant d'être enfin parfait. Il a explosé un feu extraordinaire. Cette personne semble incapable de se battre. N'est-ce pas le moment pour le maître d'agir ? Dit Xiao Shui. Je sais que, même si ce n'est qu'un fragment, c'est un artefact de niveau divin. Et il semble qu'ils doivent se battre un peu plus sérieusement, dit-il. Ce qui dégagea alors une très forte aura, en même temps que l'apparition de sa robe blanche. D'un autre côté, le sang panique en furie a commencé à pulvériser du feu à l'aveuglette. En un instant, la plupart des gens ont été blessés par son attaque très puissante. Parmi eux, une femme qui semblait gravement blessée. Le phénix tira alors une rafale de flammes dans l'intention de la brûler. Et un bouclier apparut alors pour bloquer l'attaque du phénix. Ce n'était autre que Chen Ye qui était venu la sauver et lui avait demandé de se retirer immédiatement. Chen Ye lui a également demandé si elle allait bien et la jeune fille a répondu par l'affirmative. La jeune fille l'a alors remerciée. Puis son visage devint rouge vif et soudain elle se mit à flotter dans les airs parce que Chen Ye lui avait lâché la main, lui demandant simplement de trouver un endroit sûr. Et c'est ainsi que la fille est tombée en chute libre après cela. Un fragment d'un artefact de niveau divin. J'étais un peu déçu. Elle regarda fixement Sangpanik. Confondre mon feu semble différent de celui de ces imbéciles. Qui es-tu? Qui suis-je? Et qui est important? Il faut juste que tu saches, si dans l'avenir je deviendrai ton maître, répond ce dernier,
Trop en colère d'entendre cela, il s'enflamma alors immédiatement en direction de Chen Ye. Et j'ai réussi à la bloquer facilement avec le même bouclier que précédemment, tu n'es qu'un fragment. Honorez donc votre maître, puis levez le doigt. Une corde spirituelle apparut alors pour enchaîner immédiatement le corps entier du phénix. Mais cela l'a beaucoup surpris. Que voulez-vous faire? Le phénix s'est rebellé. Et Chen Ye répondit seulement qu'il voulait lui redonner sa forme originale en touchant son corps d'un seul coup. Le phénix commença alors à perdre sa forme jusqu'à ce qu'il reprenne sa forme complète. Une pierre avec le symbole du phénix. Qui êtes-vous? La personne qui m'a ennuyé dans le passé ne peut pas me changer facilement. Dit phénix, qui était redevenu un tesson d'artefact. Il est lui, je suis moi, et tu es maintenant à moi, répondit Chen Ye. Le phénix, qui ne l'acceptait toujours pas, tenta de protester à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, le premier à se rendre dans la salle de stockage spéciale. Cependant, pendant ce temps, de l'autre côté, les anciens qui ont vu Chen Ye ont bien sûr été très surpris et se sont demandé qui était vraiment à l'origine de tant d'émeutes. Cette fois-ci, la solution était la vôtre. Désolé, je ne savais pas qu'il existait une telle chose à la loterie, répondit-il avant de fixer le tombeau de l'empereur. Bien sûr, il devint le centre d'attention après être apparu de façon si proéminente. Et pourtant, Chen Ye ignorait tout. D'autre part, le tombeau de l'empereur était divisé en plusieurs niveaux. Et au premier étage, tout le monde était encore rassemblé dans la même zone. Au premier niveau, ils rencontrèrent une sorte de robot Colt. Le nombre d'appareils appartenant au royaume de la mer des esprits est extrêmement élevé. Et ils ne cessent d'apparaître. Et même Lian et lui ne sont que des étudiants de haut niveau, au point d'être dépassés, mais différents d'eux. Jixian semble pouvoir s'occuper de ces robots très facilement, sans utiliser d'armes spéciales pour leur prêter attention. Était très surpris. Et parce que l'apparence de Jixian leur était également très familière. Comme pour la 9e princesse de la dynastie Zhuang, la distance qui les séparait semblait assez grande, si bien qu'aucun d'entre eux ne pouvait le confirmer directement. Alors qu'on le félicitait, Jixian lui-même commença à se demander si sa culture se situait vraiment dans le royaume des mortels, car il sentait qu'il était bien plus fort que cela. Jixian a avancé avec enthousiasme au deuxième niveau parce qu'il voulait remplir son premier devoir d'étudiant. Il semblait être le premier à s'échapper. Mais rapidement, l'expression de son visage est redevenue sombre, car ce qui allait se trouver au deuxième étage était une rivière de lave qui avait l'air extrêmement terrifiante. Il était très surpris car il ne s'attendait pas à ce que le deuxième niveau soit comme ça. Jixian était vraiment très confus, il ne savait pas quoi faire. Un instant plus tard, la rivière de lave se mit naturellement à couler. Si Jixian se tourna pour le regarder avec curiosité, et un serpent de feu apparut à l'intérieur du buon. C'était une bête du royaume de l'âme qui avait l'air extrêmement terrifiante. Une bête du royaume de l'âme jeta un regard à Jixian. Mais il détourna le visage comme s'il se moquait de Jixian, qui avait le niveau de motivation du royaume des mortels. Il se sentait humilié, embarrassé, tandis que le serpent de feu entrait alors complètement dans la lave en l'ignorant. Jixian devient de plus en plus sombre et confus. Il voulait abandonner, mais il avait peur d'être réprimandé par son professeur. Il voulait traverser la rivière de lave. Mais il ne savait pas non plus comment. Il resta assis à rêvasser en pensant à un moyen. Jusqu'à ce qu'il n'arrive finalement qu'à un petit serpent dans le royaume de l'âme. Pourquoi cette fille panique-t-elle autant? Maître, ce n'est qu'une jeune fille poétique de 15 ans, tout à fait normale, si elle est effrayée par des monstres dont le royaume est bien plus grand qu'elle. Réponse à cette solution trop gênante pour voir Jixian. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? En appelant enfin Jixian pour lui annoncer l'arrivée de son professeur, Jixian devint bien sûr très heureux. Cependant, il demanda alors comment entrer et Chen Ye ne répondit que par l'affirmative. S'il n'y a pas d'endroit où il ne peut aller, vous avez atteint le deuxième niveau. Pourquoi ne pas continuer? Chen Ye frappa également Jixian sur la tête. Jixian a ensuite expliqué que ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'un serpent l'en empêchait. Chen Ye lui a alors demandé de se calmer car ce n'était qu'un serpent. Dépêche-toi, essaie, je suis là, le monstre ne te posera pas de problème, dit Chen. Oui, tout en tapotant la tête de Jixian. Et Jixian, qui avait encore des doutes, demanda alors, est-ce vrai? Tu es mon seul élève, il n'y a pas de raison de mentir, dit-il avec désinvolture, comme d'habitude. Alors que le stupide et le crédule croient au maître, Jixian se prépare à entrer dans la lave. Il essaie de se décider, mais il finit par hésiter à nouveau en imaginant la chaleur de la lave. Si tu as encore des doutes, je peux t'aider, dit Chen Ye, qui donna immédiatement un coup de pied à Jixian. Évidemment, il a été très choqué et a pleuré de peur. Puis il est tombé en chute libre dans la lave. Mais parce qu'il sentait que la vie était sur le point de s'arrêter, et il s'est avéré que la lave n'était rien d'autre que de l'eau ordinaire. Et pour être plus précis, la lave précédente n'était qu'une illusion.
Il a alors immédiatement plongé, est entré à l'intérieur et a trouvé une ruine au fond de la rivière. Jixian s'est alors immédiatement approché de l'endroit. Mais soudain, le monstre serpent l'a attaqué. Le monstre serpent ouvrit la bouche très grand et voulut immédiatement manger. Puis, il se tint la bouche à deux mains. Jixian a alors donné un coup de pied dans les dents du serpent et a profité de la poussée créée pour s'enfuir. Le monstre serpent parut surpris, ne s'y attendant pas. Jixian pouvait le faire, mais il contre-attaqua rapidement en lançant sa très longue queue. Cependant, Jixian le tenait également avec ses mains, mais il était toujours écrasé. À cause de la force considérable du monstre serpent, ses mains se sont même engourdies à cause de cela. Mais Jixian s'est finalement rendu compte que le serpent à l'intérieur était aussi fort qu'il l'avait imaginé. Il a retrouvé sa confiance, puis l'aura de feu a commencé à l'appeler. Pendant ce temps, Xiao Shui, inquiet, demanda à Chen Ye si tout allait bien. Chen Ye lui demanda également de se calmer, car Jixian devait sentir la force qui l'habitait. Xiao Shui demanda à nouveau pourquoi Chen Ye n'avait pas donné d'armes à Jixian. Et il répondit à son tour. Si c'est parce qu'il ne l'a pas demandé. De plus, la technique qu'on lui a enseignée était également basée sur la culture du corps. Puis, après avoir vu Jixian, il a immédiatement attaqué le monstre serpent. Il a tiré très vite, puis a donné un coup de poing très fort, et le serpent a été projeté assez loin, sous l'effet d'un coup de poing très puissant donné par un Jixian. Mais le serpent contre-attaque immédiatement. Cependant, son corps était extrêmement long. Le serpent a ensuite enlacé Jixian. Puis Jixian a frappé le corps du serpent et l'a fait hurler de douleur. Le serpent a été poussé vers le bas par le coup qu'il a porté, jusqu'à ce qu'il débouche enfin dans la zone extérieure, de façon totalement inattendue, et qu'il y ait en dessous une ruine. Bien sûr, c'était le cas. Les ruines de l'empereur s'ouvraient à l'extérieur, mais il s'agissait de ruines à l'intérieur des ruines, ce qui signifie qu'elles se trouvaient toujours à l'intérieur du tombeau de l'empereur. Puis, ce que Jixian avait encore dans les pattes déversa encore plus de puissance spirituelle. Il a ensuite repoussé le corps du serpent et a finalement réussi à s'échapper. Le serpent avait l'air choqué. Jixian puis le poursuivit immédiatement avec des poings enflammés. Faisant tomber le serpent au sol, le coup de poing était si puissant que même le sol s'est fissuré. Cependant, le serpent semblait avoir perdu connaissance. Et juste à côté de lui, Jixian semblait heureux, car il avait réussi à le battre. Chen Ye vint également le féliciter et lui demanda de se réveiller immédiatement car apparemment, il avait déclenché le dernier niveau depuis longtemps. En entendant cela, il est bien sûr très surpris car il vient juste de se reposer, mais après tout, il peut à nouveau faire n'importe quoi à l'intérieur. Car les deux derniers monstres de niveau se sont réveillés, et ils ont tous les deux l'air terribles, et c'est un des monstres du niveau des royaumes célestes. Sachant qu'il était clair que l'espace était très paniqué, mais c'est lui qui lui a demandé de se calmer car ce n'était qu'un reste d'âme. Chen Ye expliqua alors que l'espace était très petit, mais qu'il était très clair que les deux monstres ne venaient pas du monde de l'Empire humain. Plus tard, Jixian lui demanda s'il devait vraiment combattre ces deux monstres. En fait, ces monstres n'étaient pas très forts. Mais parce qu'il est ridicule d'être appelé par le tonnerre, qu'il a une viande très dure que l'on appelle l'or magique de Peter, et que ses ailes sont bonnes pour faire rôtir quelque chose. Dit Chen Ye qui considérait les deux comme des ingrédients alimentaires pour combattre immédiatement les deux monstres, Chen Ye laissa ensuite Jixian, qui continuait de protester. Il a ensuite donné un coup de pied au monstre serpent et lui a demandé de reprendre immédiatement la garde du deuxième niveau. Les monstres serpents, effrayés, s'en vont immédiatement. Puis, de l'autre côté, l'oiseau attaqua soudainement Chen Ye en criant à son professeur de faire attention. Chen Ye gifla également l'oiseau insolent avec désinvolture. Cette gifle était bien sûr extrêmement puissante. Il a même fait exploser le monstre oiseau en un instant. En un instant. Sans la moindre trace, Jixian était lui aussi en état de choc. Mais d'un autre côté, il était également heureux. Jixian demanda alors à son professeur s'il avait vraiment l'intention de l'aider, et Chen Ye répondit « Si ce n'est qu'un accident, l'occasion ne se présentera pas deux fois. Utilisez le pont pour gagner de l'expérience. Il n'interviendra plus à partir de maintenant. Il s'en remettra à vous », dit Chen Ye qui disparut immédiatement et quitta Jixian. La flamme ridicule du singe en colère rugit alors très fort, juste devant Jixian. Le singe lui donne un coup de poing, et Jixian réussit à esquiver en faisant un bond en arrière. Puis, le singe a donné un coup de poing horizontal, et il s'est baissé pour l'éviter. La férocité du singe a provoqué la destruction de la région en un clin d'œil. Puis, après avoir remarqué que la folle puissance destructrice devait s'éloigner immédiatement, il comprit que la bataille serait immédiatement terminée. S'il fut touché par le coup du singe peu de temps après, Chen Ye le contacta également par télépathie. Il lui demanda de rester calme.
et de ne pas se fier uniquement à la violence. Le fait est que Chen Ye choisit de trouver les faiblesses de l'ennemi et d'en tirer profit. Car c'est le seul moyen de gagner contre des ennemis ayant une culture bien plus élevée. Et là, Jixian a vite compris l'intention de son professeur. Mais après tout, pour l'appliquer, c'est bien sûr très difficile. Jixian demanda aussi comment trouver la faiblesse du gorille électrocuté. Tandis que le gorille lui-même crache soudain quelque chose de sa bouche. S'en rendant compte, Jixian s'est immédiatement mis à courir et c'est ce qui s'est passé. Mais parce que l'éclair s'est alors dirigé droit sur lui, Jixian s'est souvenu du conseil de son professeur. Jixian lança immédiatement une contre-attaque sans faire de mouvements inutiles. Il se fia à sa vitesse et concentra immédiatement toute sa puissance spirituelle contre son bras, de manière invulnérable, et a frappé la tête du gorille, qui crachait encore de l'électricité. Cependant, il s'est avéré que l'éclairage qui avait l'air cool dans la réussite du gorille n'était qu'un pas en arrière. Le gorille a rapidement contre-attaqué, et il a également frappé avec son poing électrique, et a pu réagir parce qu'il ne s'y attendait pas. Il a été projeté suffisamment loin, et a finalement produit une explosion. Lorsqu'il a touché le sol, le gorille a alors poussé un rugissement très fort, comme s'il était très fier de sa force pour aider Jixian. Mais il a refusé, et nous savons tous les deux que Jixian deviendra un empereur humain dans le futur. Mais savez-vous pourquoi il pourrait devenir empereur? Chen Ye avait également l'air confus. Chen Ye lui expliqua alors que c'était le résultat d'un état critique comme maintenant qui le forçait à faire de son mieux, encore plus confus. Il se contenta donc d'ignorer leur conversation. Au fond, Chen Ye savait que Jixian devait être encore meilleur, parce que sa base de culture avait déjà atteint le 20e niveau du royaume des mortels, et qu'il le savait déjà. Mais sa fierté de princesse de la dynastie du Cygne la rejetait. Parce qu'après tout, c'était un pouvoir qu'elle tenait des autres, et que Jixian n'avait pas totalement accepté son professeur. Et donc elle ne voulait pas utiliser toute sa force pour une raison ou une autre. C'est du moins ce qu'elle pensait. Par Chen Ye, comme s'il lui répondait, l'air autour de lui se mit à vibrer, donnant naissance à une pression intense en tournant comme une tornade. La poussière se souleva d'elle-même. C'est alors que la silhouette de Jixian qui se tenait droite apparut enfin, dégageant une très forte aura. Cela ne s'est pas arrêté là. Jixian a continué à libérer son pouvoir spirituel, jusqu'à la limite maximale. Xiaoshan, confus, demanda alors à Chen Ye « qu'est-ce que c'est exactement ?» Chen Ye expliqua également que si un Jixian libérait toute sa puissance spirituelle, la technique s'appelait « brûler l'esprit ». Mais après cela, il s'était lancé très, très rapidement, apprenant au monstre gorille à faire tourner le sol d'un seul coup de poing. Le gorille contre-attaque alors en donnant des coups de poing. Mais Di Sangfan a pu les éviter facilement. Ses mouvements devinrent vraiment très rapides. Il forma alors immédiatement une lance de son pouvoir spirituel. Car Jixian en était pleinement conscient, s'il ne pouvait survivre qu'une minute dans un état de brûlure de l'âme. De l'autre côté, le monstre gorille tire trois rafales d'électricité en même temps de sa bouche. Dévier ensuite toute l'électricité avec la lance et contre-attaquer immédiatement. Il montre sa lance. Mais le gorille réussit à se défendre avec ses mains et continua à attaquer successivement. Mais le gorille réussit à les éviter toutes. Les mouvements des deux étaient très rapides. Jixian saute alors immédiatement et vise la tête du gorille. Mais au même moment, le gorille lance un éclair. Jixian a été pris de panique car il était très proche. Enfin, son épaule gauche a été touchée parce qu'il est arrivé trop tard pour esquiver. Du sang a commencé à couler de son épaule gauche carbonisée. Le gorille s'est avéré très fort. Même s'il ne s'agissait que d'un reste d'âme, Jixian commençait à manquer de temps et n'avait plus qu'une dernière chance. Si Jixian a ensuite regardé le gorille, il a constaté qu'il était très fort. Il a ensuite essayé de trouver son point faible, et a finalement trouvé que ses yeux étaient la seule partie qui n'était pas électroplaquée. Si je ne peux pas battre ce monstre, comment puis-je me venger? Diane s'est également décidée et s'est immédiatement précipitée à l'attaque. Elle a tiré très très vite, avec une forte détermination, ne voulant pas échouer. Le gorille lance alors trois éclairs en même temps à partir de sa bouche. Mais le malheureux Jixian a éliminé tout cela d'un seul coup de lance. Jixian s'est alors immédiatement approché en brandissant sa lance. Mais le gorille frappa le premier d'un coup de poing et parvint à l'esquiver en sautant. Il a également créé un élan en utilisant la main du gorille comme point d'appui pour faire sauter les malchanceux plus haut. Le gorille regarde alors immédiatement le ciel, mais cela devient un avantage pour lui. Saisissant l'occasion, Jixian lança immédiatement sa lance et elle lui transperce l'un des yeux. Le gorille poussa un rugissement de douleur. Au même moment, son corps se mit à briller. Il émettait une grande aura. Ainsi, le simple fait de regarder la peinture signifiait que quelque chose de grave allait se produire. La lumière à l'intérieur du corps du gorille continua à se répandre,
jusqu'à ce qu'elle produise une explosion très puissante. La poussière commença à recouvrir la zone naturellement. Mais il était clair qu'une ombre familière se rapprochait de Chen Ye. Ce n'est autre que Jixian qui a réussi à survivre, même si son corps était couvert de blessures. Il tituba et tomba finalement dans les bras de Chen Ye. Après avoir proclamé sa victoire, il s'excusa d'avoir caché l'esprit clair. « C'est bon, repose-toi un peu, » dit Chen Ye. Puis il porta son élève pour qu'il continue jusqu'à la dernière étape. Depuis le test de la tombe, les deux monstres n'existèrent que pour protéger l'empereur humain. Et Chen Ye les a délibérément réveillés. En fait, les deux monstres précédents étaient en pierre et ne bougeraient probablement que si quelqu'un essayait de détruire les ruines. C'est ainsi qu'il s'est avéré être un test supplémentaire de Chen Ye pour Jixian. En fait, ce Chen Ye avait également l'intention de le forcer à passer immédiatement au dernier niveau. Mais parce qu'il avait mal calculé sa force, il laissa finalement son disciple se reposer un moment. Et puis le temps passa vite et Jixian reprit enfin ses esprits. Chen Ye le salua immédiatement, ce qui fit rougir son visage et lui donna l'air embarrassé. Jixian s'est alors excusé à nouveau, mais Chen Ye a immédiatement commencé à parler en lui disant de ne rien expliquer et en lui demandant de se calmer parce qu'il avait guéri de sa blessure. Jixian s'est alors immédiatement levé pour dire merci et Chen Ye lui a demandé de ne pas être poli. Jixian, qui n'était toujours pas à l'aise pour cacher quelque chose, posa à nouveau la question. Le maître ne le détestait-il pas? Et il lui a tapoté la tête en disant « Si chacun doit avoir son propre secret, il n'y a pas lieu de s'excuser. » Et puis, à part ça, il a souri un instant. Après cela, il s'est rendu compte que son professeur nous avait traités de nuls et a commencé à demander ce qu'il voulait dire par confus. Mais en fin de compte, il ne dit rien non plus. Chen Ye lui conseilla alors de ne pas utiliser l'esprit trop souvent car c'était très lourd. Jixian a ensuite accepté. Ils sont ensuite entrés dans les ruines, car c'était le seul moyen. Ils continuèrent à avancer à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils aperçoivent plusieurs grandes statues au bord de la terre. Le curieux demanda alors au maître « De quelle statue s'agissait-il ?» Et Chen Ye de répondre « Si c'était une statue de l'empereur de la dynastie passée. » Ils ont ensuite continué à avancer jusqu'à ce qu'une boîte de cartes brillantes apparaisse enfin. Jixian devint très sûr de lui. Si ce qui se trouvait à l'intérieur était l'héritage de l'empereur, il courut immédiatement le chercher. Et soudain, les yeux de la statue se sont mis à briller. Jixian fut très surpris de constater que la statue émettait également une forte aura. Jixian a alors immédiatement augmenté sa vitesse. Mais soudain, la pression spirituelle le bloqua. Elle n'était pas très forte, mais il a continué à essayer de l'endurer. Il est ici, était devant lui et le pressait continuellement de s'incliner. Jixian sortit alors une lance spirituelle pour l'aider à se relever en raison de la pression spirituelle croissante. Et Chen Ye décida finalement d'aider Jixian. Chen Ye menaça alors le reste de l'âme de l'empereur de se débarrasser immédiatement de sa pression spirituelle, sinon il serait détruit. Il disait cela en affichant sa propre aura, si bien que même en voyant que les restes de l'âme de l'empereur semblaient effrayés. Les deux empereurs s'inclinèrent immédiatement devant Chen Ye et se présentèrent. Il était un empereur de la 7e génération. Junior ne voulait pas délibérément rendre les choses difficiles pour les étudiants. Cet aîné est la règle transmise par l'ancien empereur, et c'est aussi un test pour l'esprit de l'héritier de l'âme résiduelle de l'empereur. Chen Ye lui confirma alors que son disciple n'avait pas besoin d'un tel test, car la seule personne qui puisse le faire s'agenouiller dans le ciel et dans le monde, c'est lui. Mais il n'a pas vu la méthode de l'empereur, dit Chen Ye. Et le reste de l'âme de l'empereur, il le montra immédiatement. L'âme de l'empereur leva son épée. Une certaine quantité d'aura s'est alors progressivement accumulée dans l'épée. Elle a ensuite pris la forme d'un dragon, la vibration de l'instant d'après. Même les deux disciples supérieurs qui se trouvaient encore au premier étage le sentirent. Oui, en fait, c'était aussi inattendu, car apparemment ils n'avaient même pas passé le premier niveau, même s'ils s'étaient endormis pendant un moment. Après un long moment, il s'avéra que les vibrations émises par l'âme restante de l'empereur avaient également atteint la zone extérieure où se trouvaient les aînés. Ils furent en bien sûr très surpris, mais comprirent aussi rapidement que quelqu'un avait peut-être réussi à trouver le trésor de l'empereur. Et ensuite, Jixian. Bien sûr, il fut très surpris de voir l'aura de dragon émaner du reste de l'âme de l'empereur humain. Le vestige de l'âme de l'empereur humain pointa alors son épée vers Chen Ye pour le mettre en garde. Avec respect, l'aura de dragon frappa Chen Ye, réduisant l'explosion. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'une vague s'est créée naturellement, obligeant Jixian à se couvrir avec ses mains. Un instant plus tard, la poussière commença à se dissiper et la silhouette de Chen Ye tenant l'aura du dragon fut aperçue. Il n'utilisa qu'un seul doigt et l'aura du dragon disparut instantanément et graduellement. Naturellement, en voyant cela, Jixian fut profondément choqué.
de même que le reste de l'âme de l'empereur humain qui ne pouvait que sourire en voyant sa plus grande puissance se faire vaincre si facilement. C'est dommage que tu ne sois qu'un reste d'âme si tu es encore à ton apogée. Peut-être as-tu encore quelques chances, dit Chenye. Cependant, si l'ancien empereur était ressuscité, il serait encore difficile de blesser Seigneur avant de partir. Il voulait juste dire que je regrette profondément cette vie. Merci, Seigneur. Réussir le test. À ce jeune âge, il y a de solides partisans comme les aînés. Si petits, même si nous ne nous connaissons pas. Mais vous avez réussi le test. Et votre venue ici montre que nous sommes avec le destin du sceau de l'empereur et l'empreinte des 9 dragons. L'empereur est derrière. À partir de maintenant, vous deviendrez le 8e empereur. Je te laisse l'avenir de ce monde impérial, dit l'âme restante du 7e empereur qui s'évanouit enfin, et il disparut. Et puis confirmé, si après tout il n'était qu'un reste d'âme. Puis il a demandé à Jixian de prendre immédiatement son héritage. Selon son équipe, il s'est immédiatement précipité pour ouvrir le coffre au trésor. Il s'est avéré que le sceau de l'empereur se trouvait à l'intérieur. Et la note de l'empereur, juste après l'ouverture de la ville, était une aura dorée qui coulait dans le corps de Jixian. Il était choqué parce que soudainement, alors qu'il était à l'extérieur du tombeau, un dragon d'or est apparu et a surpris tout le monde. Puis il s'est vite rendu compte que si quelqu'un avait obtenu l'héritage de l'empereur, il commençait aussi à être très curieux de savoir quel disciple avait réussi à l'obtenir. D'autre part, à l'intérieur de la tombe du premier étage se trouvait un orbe doré, ce qui rendit les disciples perplexes quant à ce qui s'était réellement passé. Et l'instant d'après, ils sont soudain jetés hors du tombeau. En voyant cela, le vieil homme était de plus en plus convaincu que quelqu'un avait vraiment mis la main sur l'héritage de l'empereur et qu'il en était heureux. Puis, de l'autre côté, et Jixian sortit rapidement des ruines, Xiao Shui dit à Chenye que la mission était réussie et que les points et les chances à la loterie avaient été envoyés. Il a tiré sur la curiosité, puis a demandé à Xiao Shui de lui montrer les informations sur le sceau de l'empereur. Chenye fournit immédiatement les données. Chenye les parcourut rapidement et découvrit que le sceau de l'empereur était un trésor extrêmement rare qui possédait un espace de stockage d'utilisation. Il peut ensuite absorber la clé de la zone environnante pour la convertir en aura pure pour l'utilisateur. En d'autres termes, il peut absorber le mana de la nature pour le transformer en puissance magique. C'est plus ou moins à cela que sert le sceau de l'empereur. Cependant, il était confus, car c'était le seul à avoir hérité. Et il a répondu à cela aussi. Au lieu de cela, il lui a demandé à quoi il pouvait bien servir. Selon lui, Jixian a répondu qu'il pouvait être utilisé comme une arme. Quand elle était petite, elle avait utilisé le sceau de jade de son père pour détruire de la nourriture. Chen Ya l'a alors frappé à la tête. À cause de sa réponse très originale. Oui, bien sûr, Jixian plaisantait. En tant que princesse royale, elle connaissait certainement déjà la fonction du jade. Ce n'est rien d'autre qu'une identité qui montre qu'il est un empereur humain. En d'autres termes, maintenant qu'il est devenu un empereur humain, il doit encore prouver sa valeur au monde pour être accepté. Après cela, Chen Ye invoqua le serpent dans la mer, au-dessus du ciel. Le serpent descendit alors immédiatement pour répondre. Il n'est pas facile pour un petit serpent ordinaire de se transformer en dragon, mais il n'est pas impossible de le transformer en dragon. À partir de maintenant, tu vas suivre Jixian et devenir un esprit, dit Chen Ye. Le serpent siffla comme pour dire, il l'appela alors Xiao Xing en lui touchant la tête, et Xiao Shui eut l'air effrayé. Et maintenant, il peut essayer d'injecter l'aura du sceau impérial pour nous faire sortir, dit Chen Ye et Jixian s'exécuta immédiatement. Jixian déversa alors immédiatement sa puissance spirituelle dans le sceau de l'empereur. C'est sûr, il s'est ensuite téléporté rapidement hors du tombeau. Jixian a été très surpris car les conditions à l'extérieur de l'hôtel étaient très encombrées. Jixian demanda alors à Chen Ye ce qui s'était réellement passé. Chen Ye expliqua également que c'était parce qu'il avait hérité de l'héritage de l'empereur. Et tout le monde fut automatiquement renvoyé. Jixian était le centre d'attention à cet instant. Il ne portait pas de masque pouvant dissimuler son identité. La plupart des gens la reconnaissent immédiatement comme la 9e princesse de la dynastie des Xuan Yuan. Et en plus, elle avait le sceau de l'empereur entre les mains. Cela les a naturellement choqués encore plus. En réponse à cela, Chen Ye ordonna à Jixian de lever le sceau de l'empereur. Ensuite, Jixian a effectivement levé le sceau de l'empereur selon son maître. Une aura de dragon émergea alors du sceau de l'empereur. Jixian a alors annoncé à tout le monde que s'il avait réussi à hériter de l'héritage de l'empereur humain, à partir d'aujourd'hui, je deviendrai un empereur humain de la nouvelle génération. Il le dit à voix haute et tout le monde le regarda en état de choc. Car d'après ce qu'il savait, la 9e princesse avait déjà perdu sa base de culture. Chen Ye demanda alors à Jixian de franchir le royaume de la mer. Jixian a été très surpris d'entendre cela.
il a demandé s'il devait vraiment le faire. Et Chen Ye a dit oui. En tant que mon élève et son impératrice, vous devez le faire maintenant. Montrer votre talent devant tous ces gens vous aidera grandement à gagner leur reconnaissance à l'avenir, dit Chen Ye. Et Ji Xian ne pouvait que s'y plier. Et même si, en réalité, il n'était pas sûr de réussir non plus. Ji Xian se mit alors à méditer, et tout le monde devint encore plus confus, naturellement à cause de son action soudaine. Mingyu, qui le détestait vraiment, n'a pas manqué l'occasion qui s'offrait à lui. Car pour lui, Ji Xian était le grand enregistreur de la secte Bai Yujing. Mais après cela, le chef de Qi Yue s'est immédiatement précipité pour attaquer Ji Xian. Tout le monde a été très surpris par cette attaque soudaine, et c'est très vite qu'il réussit à arriver devant Ji Xian. Il tira son épée droit devant lui, mais Chen Ye réussit à attraper son épée, et l'a même détruite en un instant. Et puis, la situation est très choquée. Mingyu et mon maître savent qu'il l'a vu. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Chen Ye utilisa alors son doigt et son pouvoir spirituel. Puis il frappa directement la tête de l'aîné Qi Yue, jusqu'à ce qu'elle se brise. Chen Ye regarda alors tout le monde et affirma « S'ils peuvent défier Ji Xian !» Lorsqu'il aura réussi à atteindre le royaume de la mer des esprits, mais pour l'instant, quiconque s'avance mourra, dit Chen Ye. Elle dégageait une aura intimidante et tout le monde était terrifié rien qu'en la regardant. C'est ainsi qu'ils finirent par se taire. En revanche, le fan tardif de Ji Xian a commencé à montrer des signes d'amélioration sur ses paumes. Il commença également à changer de couleur pour devenir violet, indiquant qu'il avait atteint le royaume de la mer d'esprit violette. Tout le monde a bien sûr été très surpris de voir cela. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Une aura dorée commença alors à apparaître pendant un moment. Une aura dorée explosa alors vers le haut, donnant naissance à un esprit extrêmement puissant. Tout le monde fut encore plus choqué, car il s'agissait indubitablement du légendaire royaume de la mer d'esprit d'or. Et un instant après, Ji Xian ouvrit les yeux. Il sourit alors, très heureux, et déclara son succès à Chen Ye. Chen Ye lui donna alors un coup de tête en guise de compliment. Chen Ye lui-même n'était pas trop surpris par le résultat, car il s'y attendait déjà. Chen Ye demanda alors à Ji Xian de se dépêcher d'annoncer la nouvelle. Si tout le monde est maintenant autorisé à profiter de l'occasion pour le défier, vous pouvez avancer individuellement ou en groupe. Je n'agirai que si quelqu'un choisit d'attaquer furtivement. Je me ferai un plaisir d'en éliminer un. Puis il s'est immédiatement enfui parce qu'il s'est rendu compte que ses paroles étaient dirigées contre lui. Il a clairement réalisé à quel point Chen Ye était dangereux. C'est pourquoi il a voulu immédiatement rapporter la situation à son père de l'autre côté. Ji Xian se plaignit alors parce qu'il sentait que son professeur en faisait trop pour lui. Et Chen Ye dit même, « S'ils ne sont qu'au royaume de l'âme, même si le monde entier de l'empereur humain sera le vôtre dans le futur. Cependant, si vous voulez les convaincre, vous devez encore montrer votre force. » dit Chen Ye en réponse à son annonce. Tout le monde était silencieux, car il sentait qu'il ne pourrait rien faire contre les Ji Xian qui étaient déjà dans le royaume de la mer d'esprit d'or. Enfin, Lian Han et Yu Qingxuan acceptèrent le défi de Chen Ye. Au fond, leur Chen Ye était effectivement le plus fort parmi tous les disciples. Tous deux avaient déjà atteint le niveau de la mer d'esprit pourpre, ce qui leur permettait d'avancer immédiatement. La neuvième princesse n'a même pas utilisé d'armes. « Nous sommes vraiment sous-estimés, » dit le maître en souriant. Les deux attaquent alors immédiatement de deux côtés différents. Et puis, ils ont aussi mis en place des épées des deux côtés, mais ils ont réussi à esquiver en sautant. Ji Xian se servit alors de l'air comme d'un point d'appui et plongea immédiatement son poing. Remarquant que Lian Han et Yu Qingxuan esquivaient immédiatement, le sol se fissura sous l'effet du coup de poing. Ji Xian paniqua face à cette attaque terrifiante, sentant que sa vie pouvait s'arrêter en un instant s'il était touché. Il utilise alors la technique secrète de l'attaque de Yu Qingxuan. Plusieurs épées sont alors apparues, volant vers lui, et il a tiré sur toutes les épées. Mais soudain, vous êtes apparu juste derrière lui. Il a alors libéré toute sa puissance. Ji Xian, qui s'en rendit compte, fit immédiatement une lance spirituelle. Ji Xian sauta alors, en retenant l'attaque de Lian Han, et le rendit très surpris. Car il ne s'attendait pas à ce que Ji Xian puisse l'utiliser aussi. Il n'a pas vraiment d'arme, ce qui explique sa situation. Pourquoi s'agit-il d'une arme spirituelle et non d'une arme réelle? Puis, Ji Xian attaqua à nouveau immédiatement tout en l'avertissant. Il lança alors sa lance spirituelle vers Lian Han et Yu Qingxuan, par réflexe, la bloqua immédiatement avec son épée. Mais elle n'était pas suffisante pour résister à la puissance destructrice de Ji Xian, qu'il a jetée au loin, et il a également giclé du sang parce qu'elle a touché son corps. Puis, de l'autre côté, Yu Qingxuan aida immédiatement à lancer ses nombreuses épées. Ji Xian a alors tranché toutes les épées d'un seul coup de lance, qui frappa simultanément l'épée de Yu Qingxuan. Il devint extrêmement pressé.
et tandis que Jixian lançait immédiatement une attaque de suivi, il lança sa lance spirituelle vers Yu Qingzuan, qui n'était pas protégé. Et juste avant qu'il ne touche sa tête, Jixian a arrêté l'attaque. « Veux-tu continuer ?» dit ce qui s'avéra être la pointe de la lance également. Et puis, en même temps qu'il divisait sa lance en deux, la différence de force entre eux était vraiment énorme. Tout le monde fut extrêmement choqué, car ils ne s'attendaient même pas à ce résultat. Après tout, Li Yanhan et Yu Qingzuan étaient deux disciples de haut niveau. Et la bataille se termina donc par la victoire de Ji. Jixian, et il a immédiatement joint ses mains en guise de salut. Li Yanhan et Yu Qingzuan furent tous deux félicités, car même s'ils venaient de monter au royaume de la mer, il avait réussi à gagner très rapidement. Après cela, Jixian s'est immédiatement approché de son professeur pour déclarer la victoire. Et Chen Ye l'a également félicité pour cela. « Mais il semble que tu sois trop arrogant. »« Mes anciens maîtres ne pouvaient pas gagner contre eux, » répondit Jixian. Peu de temps après, les anciens les ont alors appelés et les ont remerciés pour leur aide contre les monstres phénix précédents, tout en les saluant, à propos de la naissance d'un nouvel empereur humain. Ensuite, les anciens ont fait leurs adieux avant de partir. « Maître, quoi maintenant je vais devenir célèbre ?» dit Jixian, et Chen Ye répondit. « Si c'est certain, » Chen Ye lui confirma alors. « Encore une fois, s'il est tout le monde, ce n'est pas la princesse mais l'empereur humain qui dominera le monde des empereurs humains à l'avenir. » Puis, peu de temps après, quelqu'un a appelé Jixian. Cette voix était très familière aux oreilles de Jixian. Et il s'est avéré que la personne qui est venue n'était autre que son grand-père. Il s'agit de Feng Huo, un ancien suprême de la dynastie Xuan Yuan. Il est venu avec son frère aîné. Lorsque Jixian a nommé Jibo, grand-père a immédiatement couru vers Jixian. Cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu, et il a été surpris parce que son petit-fils, qui était très gâté, est maintenant très grand. Quelques instants plus tard, il réprimande Jibo parce qu'en tant que grand frère, il n'a pas su protéger sa sœur. On aurait dit qu'il voulait vraiment le poursuivre, et lui aussi s'est immédiatement excusé. De l'autre côté, Chen Ye était curieux. Il demanda alors à Xiao Shui l'identité du grand-père de Feng Huo. Xiao Shui chercha immédiatement des données et les communiqua à Chen Ye. Si le grand-père de Feng Huo était un chef suprême de la dynastie Xuan Yuan, les données disaient qu'il mourrait dans 2 ans, parce qu'il n'avait pas réussi à percer le royaume céleste, et il aimait beaucoup Jixian durant sa vie. Pour ce qui est de Jixian, il semble être impliqué dans une querelle avec son grand-père qui lui a demandé de rester avec lui. Cependant, Jixian a immédiatement demandé à Chen Ye ce qu'il en était. Et Chen Ye a également choisi de ne pas s'immiscer dans les affaires familiales. Jixian est devenu sombre. Peut-être parce qu'il voulait être maintenu. Bien qu'en fin de compte, il ait choisi de rester avec Chen Ye. Il s'en excusa. Et bien sûr, c'est grand-père qui fut très surpris d'entendre cela. Le frère aîné de Jixian a alors immédiatement réprimandé Chen Ye pour avoir appelé Naughty. Et Jixian a aussi essayé de le remplacer, vilain garçon. Je n'ai pas entendu ce terme depuis des milliers d'années. Chen Ye sortit alors la force de son index et lui tira dessus. Les têtes de grand-père et de Jibo ont paniqué. L'attaque soudaine. Mais soudain, le grand-père Feng Huo s'est immédiatement relevé. D'après Jibo et Jixian, il s'est immédiatement écarté du chemin. Il s'approcha ensuite de Chen Ye, ce qui les rendit tous deux encore plus paniqués. Et il s'avéra qu'il n'avait fait cela que pour s'agenouiller et s'excuser auprès de Chen Ye. Il appela immédiatement Chen Ye Senior à cause de l'attaque qu'il avait menée pour lui enseigner la façon de franchir le royaume divin. En voyant cela, le troisième prince fut naturellement très surpris, de même que les Jixiens qui se sentent heureux. Ce qu'il faut pour franchir le royaume des cieux et les humains, c'est la détermination à conquérir les cieux. La méthode n'est que la méthode. Que vous passiez ou non cette étape dépend de la chance que vous avez. « D'accord, vas-y, » dit-il. Cependant, notre grand-père Feng l'a ensuite remercié pour son illumination. Le troisième prince devint de plus en plus effrayé en voyant Chen Ye parce qu'il était même capable d'apprendre à son grand-père à franchir le royaume céleste. Et même s'il s'agissait d'un humain au niveau élémentaire le plus élevé, le troisième prince devina que sa culture devait être supérieure au royaume céleste. Le troisième prince devina également que sa culture devait être supérieure au royaume céleste. Et il sentit également que la dynastie Xuan Yuan ne serait probablement pas claire. Mais à quoi bon mettre cela de côté? Et pour qu'il puisse monter à cheval, Xiao Shui obéit immédiatement. Et Jixian s'enthousiasma car c'était la première fois qu'il montait Xiao Shui. De l'autre côté, Xiao Shui envoya une mission secondaire à Chen Ye et la vérifia. Et il s'est avéré que la mission était une mission d'enquête. Il est dit que le troisième prince sait quelque chose sur la tentative d'assassinat. En bref, si on lui demande d'enquêter,
Le prix de la réussite est un millier de points et une chance à la loterie avec une pénalité de mission, c'est-à-dire que la mission n'apparaîtra plus. Et puis, s'il échouait à part la mission secondaire, la mission principale apparaissait également, lui demandant d'entraîner Jixian jusqu'au niveau de courbure du royaume de l'âme. Oui, les missions s'accumulent, alors sans s'attarder, Chen Ye agit immédiatement sans prévenir. Il a alors immédiatement attaché le troisième prince avec une corde spirituelle. Chen Ye demanda alors à Xiao Shui de s'envoler immédiatement. Le troisième prince demanda alors immédiatement de l'aide au grand-père Feng. Mais celui-ci était réticent à l'idée de l'aider, parce qu'il pensait que si un génie devait avoir une raison de le faire, le temps passait, et après avoir traversé le ciel pendant un bon moment, le troisième prince ouvrit enfin la voie. Il demanda à Xian Kong pourquoi son professeur l'avait attrapé, et Fang lui demanda immédiatement la raison pour laquelle il avait capturé le troisième prince. Chen Ye regarda alors fraîchement le prince, et sans trop s'en soucier, il l'interrogea immédiatement sur l'affaire qui avait piégé Jixian dans le palais royal. En entendant cela, le troisième prince fut très surpris. Il ne s'attendait pas à ce que Chen Ye parle de cela. Le troisième prince a également admis que s'il connaissait le coupable. Même un autre prince savait que Jixian était manifestement fâché d'entendre cela, parce qu'il se sentait déjà trompé, encore plus en tant que femme. Il pourrait également être capable de se battre pour le trône du troisième prince, et même de comprendre la colère de son jeune frère. Et il s'avère qu'il n'a pas essayé de nier, il a reconnu son erreur. Mais il a quand même refusé de le dire parce que tous ceux qui connaissaient la vérité étaient immédiatement maudits par la mort, au point de la divulguer. En réponse à cela, Chen Ye lui demanda de simplement dire son nom. Et Chen Ye le protégerait, prince, quand il sembla que l'auditeur continuait. Même si d'un autre côté, il croyait pleinement aux capacités de Chen Ye. Et puis, en fait, cette personne utilisait cette méthode pour se cacher. Il n'était pas difficile de deviner qui était le coupable, car il n'y avait qu'une seule personne capable de le faire, et c'était le septième frère, qui s'appuyait sur la magie de guérison. Il voulait être la confiture préférée. Père a dit le troisième prince, en même temps qu'une aura noire, puis s'est glissée dans sa tête. L'instant d'après, l'aura sombre du trou dans son estomac la fit beaucoup souffrir. Enfin, l'aura forma une horrible silhouette noire qui s'apprêtait à l'achever, parce qu'elle avait brisé la malédiction. Cette figure était très familière aux yeux de Jixian Fons. C'était une concubine nommée Shi, qui était très fâchée de ce qu'elle avait fait à son frère. Et bien qu'il soit lui-même très surpris, car il ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore en vie, il a immédiatement attaqué Jixian Fons, avec l'intention de le tuer sur le champ. Mais soudain, une corde spirituelle a été nouée, ce qui l'a beaucoup surpris. Bien sûr, la personne qui a fait cela n'est autre que Chen Ye, qui a immédiatement compris s'il s'agissait d'un survivant ou d'une personne de l'autre monde. La déclaration de Chen Ye l'a vraiment surpris parce qu'elle semble être vraie. Il a alors demandé qui il était vraiment. Mais Chen Ye l'a ignoré, peu importe qui j'étais. Je voulais juste te demander qui t'a donné le courage de blesser mon seul et unique élève. Sous mes yeux, Chen Ye sortit alors de son doigt une force spirituelle. Il s'est aussi immédiatement rendu compte qu'il voulait voler, en fait, et il s'est finalement fait exploser. Il se rend compte qu'il est beaucoup plus fort que lui. Puis dans le palais impérial de la dynastie des Xuan Yuan. Elle a été vue assise sur son trône, accompagnant le fils d'un septième prince nommé Jizu Tian. Et soudain, il a vomi du sang. Le septième prince, inquiet, demanda alors immédiatement comment allait sa mère. Mais, bien sûr, la magie n'a rien expliqué. Il a juste demandé à son fils de se calmer et a dit qu'il voulait être seul. Il a ensuite immédiatement quitté la pièce et a vomi du sang, encore une fois, comme si la blessure était très grave. Il pourrait n'être que l'effet de l'explosion précédente. Car après tout, cette silhouette a été créée à partir de son corps. Et puis elle. Il regarda alors sa main pleine de colère car il n'aurait jamais pensé que quelqu'un puisse connaître son identité d'amant. Et il commença à prendre la forme d'un Ye Fish qui était probablement le même que lui. Et puis, du côté de Chen Ye qui était occupé à chercher des données magiques et des survivants, mais n'a rien trouvé car Xiao Shui version a répondu que si c'était ARP, 10 000 points. Les points que Chen Ye lui-même possède actuellement ne sont que de 8500 points, et être bref n'était pas suffisant. Un peu plus tard, il appela Chen Ye, car il avait oublié de sauver le troisième prince. Son état était vraiment très mauvais, et le trou dans son estomac ne disparaissait pas. Chen Ye leva alors un doigt avec désinvolture, et souleva le troisième prince pour le mettre debout. Après cela, l'aura sombre a été purifiée, et le trou s'est refermé de lui-même. Le troisième prince était tellement choqué qu'il ne s'attendait pas à pouvoir survivre. Puis il serra les poings et remercia Chen Ye, bien qu'il ait été ignoré. Le troisième prince s'est ensuite excusé auprès de Jixian pour avoir manqué à son devoir de frère aîné. Mais bien sûr,
Jixian n'a pas allumé le feu parce qu'il ne se doutait même pas que quelqu'un comme elle ferait le sale boulot. Puis, en entendant cela, Chen Ye, pour une raison ou une autre, s'est énervé. Il demanda alors au troisième prince s'il pouvait voler. Le troisième prince répondit « S'il le peut, avec respect ». Chen Ye l'a alors soudainement ligoté et l'a immédiatement jeté sans avertissement. Jixian avait même l'air paniqué parce que c'était Chen Ye qui n'avait pas défait le nœud. Mais Chen Ye ne se souciait plus du troisième prince, car ses affaires étaient terminées. Jixian lui demanda alors s'il était en colère, et Chen Ye répondit que non. « C'est juste parce que le troisième prince est très stupide. La malédiction qui pèse sur lui peut en fait être brisée par les gens du monde humain de l'Empire. C'est vous, l'aîné suprême de la dynastie Xuan Yuan, et l'empereur humain dans le tombeau de l'empereur. Il aurait pu facilement vaincre cette femme. Mais il a choisi de ne rien faire, et a utilisé son incompétence comme excuse. Et puis, dit Chen Ye, de toute évidence, c'était en fait impossible à faire pour des gens normaux. Et pourtant, Jixian semblait lui aussi heureux. Parce que son maître était fâché contre lui, à en juger par sa très longue façon de parler. Un peu plus tard, une étoile est apparue sur le devant de la scène. Jixian a été très paniqué lorsqu'il l'a découvert, lui demandant ce que c'était exactement. Mais il ne resta silencieux qu'un instant. Ensuite, quelque chose s'est rapproché, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un très, très grand incendie. Elle les frappa alors, et une énorme explosion se produisit après cela. Avant de rentrer chez eux, une gigantesque boule de feu frappa Chen Ye et Jixian. Et la personne qui avait fait ça n'était autre qu'une marque de Yon de la secte du démon pourpre, qui maniait une arme spirituelle comme le Bezoka. Il rit de satisfaction, sentant que les propos qu'il avait tenus sur l'homme mystérieux, capable d'émettre des éclairs de tribulation, n'étaient que de pures absurdités. Derrière lui se trouvait un homme nommé Ase Ming et une femme. Tous trois ont été chargés par le maître de tuer tous les élèves qui sont sortis du tombeau de l'empereur pour se venger de ce qui lui est arrivé. Et puis, au restaurant précédent peu après, la poussière a commencé à retomber. Et il est apparu que tout allait bien, sans la moindre égratignure, parce qu'il utilisait le bouclier qui l'enveloppait. De même que Jixian, qui fut immédiatement prévenu. S'ils étaient là de la secte des démons du Lotus Rouge, et que Chen Ye s'irritait parce que leur haleine était si répugnante. Et puis le seigneur Kushi a détecté une escalade des hostilités. Ce n'est qu'une petite secte. S'il vous plaît, ne le faites pas. J'ai mon propre chemin. Comment peut-il bloquer mon attaque? Il y a peut-être des armes spirituelles défensives dans son corps. D'accord, encore un coup et tu mourras, dit-il. Puis il tira à nouveau un canon à fumée rouge. Et une boule de feu géante se dirigea immédiatement et très rapidement vers Chen Ye. Il a alors immédiatement écrit un sort dans l'air. Le sort absorbe alors la boule de feu géante et la transforme en trois dragons de feu. Chen Ye renvoya alors les trois dragons de feu vers ses parents. Une énorme explosion s'est produite lorsqu'elle a frappé Jixian. Ce fan est différent de ce qu'a dit le roi des démons. Il semble être au milieu du royaume divin comme le roi démon ne peut même pas l'être. C'est le royaume céleste. Poussant un boom de panique, il relâcha le sceau sur une cruche noire qu'il avait apportée. Chen Ye se prépara alors immédiatement à écrire une autre incantation à partir de la cruche. Sous l'effet du boom, même un serpent noir venimeux apparaît, et il a l'air terrible. Et puis, pensa Gu Ming, mais juste avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Chen Ye l'attaqua alors en premier, lançant de multiples coups. D'un seul coup, il déchira le serpent noir ainsi que lui-même, en petits morceaux, comme s'il était mutilé. Il ne restait plus que Xu. Xu qui avait l'air vraiment effrayé. Chen Ye s'est également placé juste derrière lui, et Chen Ye a également dit qu'il sentait une odeur légèrement parfumée, contrairement aux deux personnes précédentes. Et puis, lui qui avait très peur, a alors immédiatement voulu s'excuser tout en se préparant à recevoir une attaque. Cependant, il s'est avéré que Chen Ye lui a seulement demandé de partir immédiatement. Il n'y avait pas de raison particulière. C'était juste parce qu'il avait senti une odeur légèrement parfumée. Xiao Shui était silencieux, confus, et il lui demanda de partir immédiatement avant de changer d'avis. Puis il est parti immédiatement après avoir dit merci, et il a commencé à voler sans but. Parce qu'il était confus, il voulait en fait retourner immédiatement pour protéger celui qui était souvent torturé par Li Hongxuang. Mais d'un autre côté, il sentait aussi qu'il ne se féliciterait pas de rentrer chez lui avec un échec. Quant à Jixian, il s'est immédiatement laissé convaincre, car il a facilement abattu les deux démons du Lotus. Ils n'étaient que deux fourmis qui bloquèrent la route. Ils n'avaient pas besoin de frapper l'arbre. C'est pourquoi il a vu la bataille plus tôt. Jixian a alors répondu avec beaucoup d'agacement. L'imagerie utilisée par Kim Ye. Chen Ye déclara également que tous ses sorts étaient de faible niveau. Les Jixiens se découragèrent en entendant cela. Parce que les sorts qu'ils classaient étaient si exceptionnels, on les disait de bas niveau. Parce qu'ils pensaient qu'ils ne seraient jamais capables de les maîtriser.
devenir fort comme son professeur, et Chen Ye lui demanda alors « Il veut vraiment apprendre les sorts, bien sûr. Mais est-ce que je peux l'apprendre ?» N'importe qui, sans hésiter, et même sa taille, lui a alors demandé d'y aller doucement. « Parce que bientôt il lui apprendra, tout de suite que je suis seul Lotus Rouge !» dit Chen Ye, et se précipita immédiatement. Chen Ye avait l'air inquiet, car son maître semblait vouloir détruire un territoire. Puis, plus tard, dans le territoire de la secte du démon du Lotus Rouge qui se trouve au-dessus du volcan, le caissier le regarde discuter avec sa richesse, qui est un seigneur démon. En fait, il avait demandé à son père d'arrêter Chen Ye immédiatement, et le roi démon lui avait demandé de se calmer. Bien sûr, parce qu'il avait envoyé Louis, qui était en plein essor et enthousiaste, pour s'en occuper. En entendant cela, Leng Xuan parut heureux et commença à réfléchir à la façon de s'amuser avec Chen Ye qui était aimé. Il semblait que cette fille était un peu malade mentalement et qu'elle aimait torturer les beaux hommes. Ses yeux semblaient sadiques quand elle y pensait. Mais peu de temps après avoir été surpris par l'émergence d'une vibration suffisamment forte, le ciel s'est assombri. Au même moment, tout le monde fut très surpris. Et on vit un serpent traverser le ciel avec deux personnes sur son dos. Et il n'était autre que Chen Ye et Ji Xian. Chen Ye, qui venait ici pour la première fois, demanda alors qui était vraiment cette secte démoniaque. Il répondit par l'affirmative et expliqua qu'ils étaient l'une des plus grandes puissances du monde de l'Empire humain. Chen Ye lui donna alors un coup de pied assez fort pour qu'il ait l'air très en colère. Une aura irradie alors de son corps et l'agrandit encore. Xiao lança alors un souffle de serpent, qui créa une lumière verdâtre. Les gens autour du démon sont pris de panique. L'instant d'après, un système de défense s'activa pour créer un bouclier circulaire qui couvrait toute la ville. Une formation de gardes active de la secte bloquait les rafales du cousin. Et automatiquement, lorsqu'une attaque très puissante est détectée, tous les membres de la secte démoniaque sont surpris. Parce qu'une attaque déclenche une formation de gardes active. Ce qui signifie qu'une personne très forte est apparue. Déjà renforcée par Chen Ye, le bouclier s'est brisé et tout le monde s'est mis à courir frénétiquement. Au même moment, le roi des démons apparut enfin et se précipita immédiatement pour bloquer l'attaque. Pour cette attaque soudaine, sa force doit également être très grande. Il réussit même à repousser un torrent d'incantations écrites dans l'air. Au même moment, le roi des démons arriva enfin à l'avant. Il continua à lancer son attaque rouge. Finalement, il fut absorbé par le sort de Chen Ye. Puis, trois fusillades sortirent du sort juste après, puis contre-attaquèrent immédiatement le roi des démons. Il était tellement choqué qu'il ne s'attendait pas à une telle attaque de la part d'un coureur. Et il a également été frappé en soufflant un énorme coup. Après cela, Ji Xian était trop fatigué de voir que le roi démon, qui était l'un des hommes les plus forts, avait été tué très facilement. Et Chen Ye le souligna également. « S'il ne meurt pas aussi facilement quelque chose dans son corps, » dit Chen Ye, « rend Ji Xian confus. Ta force est si grande, mais pourquoi restes-tu dans le monde de l'empereur humain et ne montes-tu pas au ciel ?» Je ne me souviens pas avoir jamais offensé quelqu'un comme Madame Rajab qui a enfin montré son vrai visage. De l'autre côté, il reçut soudain une mission supplémentaire lui demandant de détruire des envahisseurs d'un autre monde. Chen Ye accepta également la mission. Un instant plus tard, même le seigneur des démons réalisa que Chen Ye était peut-être le tofu qui avait effrayé sa fille. Il demanda des nouvelles de Louise et des autres. Et Chen Ye a répondu, s'il les avait tuées toutes les deux en ne laissant qu'une seule femme, « Je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Rapportez que vous avez entendu que le roi des démons s'est mis en colère. » Mais en même temps, il ressentait de la peur et s'excusa immédiatement auprès de Chen Ye. Puis, les poings serrés, il salua. « Osez-vous payer le prix pour cela seulement ? Même les démons continuent de s'excuser. Et si je voulais que votre démon au lotus rouge disparaisse du monde de l'empereur ? Humain, es-tu prêt ?» Le démon du siège ouest s'est tu sans un mot. Et puis, même si les membres de la secte du démon du Lotus Rouge étaient prêts à réapparaître devant moi, ce n'est pas la raison. La vraie raison réside dans votre souffle spirituel, qui n'appartient pas au monde de l'empereur humain. Vous avez choisi de fonder une secte ici, ce qui a de nombreuses motivations. Comment pouvez-vous vous cacher des gens? Ça? Mais pense-t-il que vous pouvez vous cacher de moi? Vous l'utilisez comme support pour votre culture. Mais si cette affaire est révélée, toutes les sectes peuvent l'attaquer. C'est un problème dans le monde de l'Empire humain. Je ne veux pas interférer, mais l'existence que je vénère en dehors de l'Empire humain doit mourir aujourd'hui, dit Chen Ye. Le roi des démons rit de ses divagations. Et puis, donc votre but et cette existence scellée sous cette lave vivante signifie dans ma stratégie rouge ne peut pas être pardonné. D'accord, mon pouvoir ne correspond peut-être pas au vôtre, mais je suis sûr que celui qui est scellé en dessous sera très intéressé. Avec ta force, le roi des démons s'ouvrit la poitrine et une aura disparut, irradiant de son corps. Et comparé à sa taille,
Ce monstre n'était autre que le dieu démon de la lave. Tout le monde fut très surpris, car il ne se doutait pas que le dieu du diable se trouvait à l'intérieur. Jixian était également confus à propos de la terrifiante moto. Et Chen Ye expliqua que si c'était le cas, c'était un dieu d'un autre monde. Le dieu démon s'est déchaîné et a tout brûlé, mais le roi démon s'est contenté de rire aux éclats. Voyant sa rage peu de temps après, le grand Jixian vint lui demander « S'agit-il d'un démon qui a toujours été adoré par des sectes ?» Le roi d'Angleterre répondit « Si c'est vrai, c'est l'ancien dieu démon qui a été scellé. L'empereur de la cinquième génération est aussi la carte d'Asco pour régner sur le monde de l'Empire, dit le roi des démons. Il était si confiant qu'il a ordonné au dieu démon de se soumettre à lui. Mais bien sûr, cela n'a pas fonctionné. Le dieu démon était vraiment très en colère, car il avait été scellé pendant plus de 800 ans. Il leva alors son énorme épée et la planta en plein sur le roi des démons. Sans écouter un seul mot de sa part, la secte du tarot rouge fut détruite en un instant. Et le dieu démon continuait à se déchaîner, attaquant à l'aveugle, très en colère. Ce maître des démons est vraiment fou. Que devons-nous faire, Xianfang? Tu ne veux pas apprendre des sorts? Viens ici et il sera très surpris. À cause de cela, il s'est soudainement approché de Chen Ye. Et Chen Ye a également insisté. S'il ne va lui enseigner qu'une seule fois, il lui a demandé de vraiment se concentrer sur Chen Ye. Puis il a commencé à lui apprendre à écrire des formules magiques. Et ils ont fini par s'entendre. Et Jixian ne pouvait même pas se concentrer parce qu'il était trop près. Pendant ce temps, de l'autre côté, le dieu démon se déchaînait encore longtemps, attaquant divers aveugles. Et la secte des démons du Lotus Rouge avait complètement disparu juste après. Il sentit également une aura familière émaner du corps de Ji. Jixian connaissait vraiment cette aura et la détestait, car elle était très similaire à celle de l'empereur humain qu'il avait scellé dans le passé. Mais ensuite, de l'autre côté, Jixian lui-même était en train d'écrire son sort d'augmentation. Il ferma les yeux en essayant de se concentrer. Et Chen Ye lui demanda d'endurer le sort aussi longtemps qu'il le pourrait le dieu démon. Lui aussi avait une profonde rancune envers l'empereur humain. Bien sûr, il n'est pas resté silencieux. Il lance alors son épée à grande vitesse et s'en rend compte. Chen Ye écrivit alors immédiatement un sort créant un bouclier protecteur en forme de fleur violette. Les pétales de la fleur se refermèrent et dévorèrent l'épée du dieu démon jusqu'à ce qu'elle disparaisse d'elle-même. Le dieu démon était manifestement très surpris. Voyant qu'il était déjà à bout de force, il est finalement tombé. Chen Ye le rattrapa immédiatement, et il mit également la touche finale à l'incantation. Air, un tonnerre surgit de derrière les nuages noirs. Et en voyant que le dieu démon était effrayé, il avait l'impression que quelqu'un du monde humain ne pourrait pas lui faire de mal. Le dieu démon accepta alors le coup de foudre avec beaucoup de courage. Et il a fini par être exposé par les ouvriers. Une de ses mains a disparu. Il semblait également surpris, car il ne s'attendait pas non plus à ce que le Jixian ait un si grand pouvoir spirituel. En fait, le sort précédent utilisait le pouvoir spirituel de Jixian, et Chen Ye n'avait fait que l'aider à l'activer. En fait, Chen Ye lui a seulement dit de se concentrer sur le flux de puissance spirituelle afin qu'il s'y habitue à l'avenir. Mettant cela de côté, Chen Ye libéra immédiatement son aura pour terminer ce qui manquait à son disciple. « J'ai été négligent. Attends juste que j'obtienne mon pouvoir spirituel. Je te tuerai », dit le dieu démon qui peut encore intimider. « Penses-tu avoir encore une chance d'oser te qualifier de dieu devant moi ?» Chen Ye lance également des éclairs très puissants à partir de son doigt et, voyant cela, prend peur. Le dieu démon réalisa immédiatement que s'il ne venait pas du monde humain, il demandait également l'identité de Chen Ye. « Mais tu n'es pas qualifié pour cela. » Il répondit et tira immédiatement un laser foudroyant en direction de la tête du dieu démon. Puis son corps commença à se fissurer. Après un trou dans sa tête et l'instant d'après, il explosa. Les deux démons disparurent complètement. Après cela, il ne restait plus qu'un masque facial et tout le reste a disparu. Mais après avoir vaincu le dieu démon, il a disparu d'une grotte. Il ressemblait finalement à une pièce cachée. Par curiosité, Chen Ye entra immédiatement dans la grotte. Shoshui était inquiet pour Jixian. Il demanda alors à Chen Ye pourquoi il avait instillé de la puissance spirituelle à Jixian, ce qui le fit s'évanouir. Il s'agit ici de la formule magique précédente, et c'est ainsi qu'il a réussi à créer une formule puissante. Il s'avère que c'est grâce à Chen Ye qu'il lui a insufflé son pouvoir spirituel, Jixian. Répondant à l'intelligence de Chen Ye expliqua alors. Et si c'était pour qu'il n'ait pas peur de percer vers les royaumes supérieurs plus tard? Il a délibérément laissé Jixian se sentir le pouvoir spirituel des royaumes supérieurs. C'est ce qui s'est passé lors de l'entraînement au sortilège. Après leur entrée dans la grotte, le temps passe vite. Ensuite, Jixian a commencé à délirer en disant que ses méridiens allaient bientôt tomber. Xiao Sur bouge alors son corps et fait tomber Jixian.
et il s'est réveillé naturellement. Parce qu'il était très surpris, Chen Ye lui a alors immédiatement ordonné de se dépêcher tout en lui expliquant si le dieu démon avait été vaincu par Jixian qui était encore confus. Il lui a ensuite demandé ce qu'il cherchait vraiment, car à perte de vue, il n'y avait qu'un seul grand pilier. Et Chen Ye de répondre s'il y a un empereur humain qui partage les richesses du monde ici. Mais après cela, Chen Ye invoqua également une incantation pour soulever l'énorme pilier. Et une aura de puissance spirituelle apparut à sa suite. Le symbole était probablement un peu similaire à celui du Géoculus et de l'impact de Peace. C'est ce que les empereurs du passé utilisaient pour sceller les dieux démons. C'était commun aussi. On l'appelle la foudre même si elle est très petite, parce que le diable est très faible. Bien sûr, ce n'est que l'opinion de Chen Ye qui est trop fort. Chen Ye demanda alors à Jixian d'absorber la foudre dans le sceau de l'empereur, et Jixian s'exécuta immédiatement. Jixian dirige alors le sceau de l'empereur vers la foudre. L'aura commença également à pénétrer dans le sceau de l'empereur, jusqu'à ce que la fin du symbole s'éteigne, lorsque toute l'aura irradiée fut absorbée. L'instant d'après, l'aura nouvellement absorbée fut envoyée dans le corps des fans de Jixian. Ce qui le surprit beaucoup car c'était si soudain. Chen Ye lui demanda alors de se calmer, et lui expliqua que c'était la même chose que le pouvoir spirituel qu'il avait déjà donné pendant l'entraînement. Le sort est essentiellement ce qui se passe. C'est une conversion où le sceau de l'empereur absorbe du mana brut, puis l'envoie. Après avoir été converti en force spirituelle, la force spirituelle va directement dans les méridiens de Jixian. Et c'est ainsi que la pression qui apparaît pèse sur son corps. Mais en fin de compte, elle est plus faible que ce qui est donné. Il se souvient que Jixian est lui aussi convaincu qu'il peut tout gérer. Cette aura fut finalement absorbée dans les méridiens. Il a finalement atteint la 7e couche du royaume de la mer d'Esprit d'Or. L'amusement fut très surpris de savoir qu'en plus, la puissance qui circulait dans son corps sentait clairement la réponse de Chen Ye. Il lui a simplement demandé de ne pas s'emballer. Il lui expliqua alors que si votre foudre est reliée au sceau de l'empereur, elle continuera à lui fournir de la puissance spirituelle à l'avenir. Et puis, simplement que le symbole deviendra plus tard une réserve, sa puissance spirituelle qui sera périodiquement envoyée à travers le sceau de l'empereur. Lorsque le royaume s'est suffisamment rassemblé pour entendre cela, Jixian devient très heureux. Il vient de réaliser à quel point l'artefact du sceau de l'empereur est grand. Chen Ye invita également Jixian à partir immédiatement après. Et Jixian, qui était toujours assoiffé de puissance, demanda alors s'il pouvait repartir à la recherche d'éclairs. Chen Ye refusa immédiatement, car l'énergie de la foudre est plus appropriée pour percer les royaumes. En d'autres termes, il voulait que sa culture atteigne d'abord le sommet du royaume de la mer des esprits. Et ensuite, s'il voulait vraiment trouver un autre éclair, Chen Ye expliqua alors qu'il voulait seulement aller dans la dynastie, et il garda le silence. Ils se précipitèrent alors sur Xiao Shui et sur le chemin. Jixian a commencé à réfléchir à beaucoup de choses. Il avait l'impression que son voyage avec son professeur était comme un rêve. Il se remémora les souvenirs avec son maître et son visage rougit de lui-même. Parce qu'il rougissait après avoir pensé à tout cela. C'était juste une fille qui profitait de sa jeunesse et qui voyait cela aussi. Chen Ye demanda alors immédiatement ce qui était arrivé à son Jixian. Elle a ensuite demandé si nous allions nous ennuyer à nouveau pour la terminer. Lui oui, cette femme devait être résolue, mais ce n'était pas le but principal de ce voyage. Il voulait d'abord confirmer quelque chose et, en tant qu'enseignant, il avait également organisé une formation spéciale pour elle. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez la deuxième partie, tapez 2000 likes sous cette vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne, appuyez sur la cloche et laissez un commentaire. Jusqu'à la prochaine vidéo.